Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communauté. La communauté, elle a une importance capitale dans le projet Versity. On parle de deux choses. On parle de DAO et de gouvernance. Ça désigne la même chose. Ça désigne l'organisation autonome décentralisée. La DAO, ça représente trois objectifs. D'une part, d'augmenter le nombre de services qui seront à disposition dans la communauté Versity et Metaverse. D'augmenter la valeur du token City, qui est la crypto-monnaie qu'on utilise dans le Metaverse Versity. Et enfin, d'augmenter la valeur des parcelles, les NFT, qui seront en vente dans le projet Versity. De plus, en augmentant la valeur du parcelle, on augmente la possibilité de faire une plus-value sur ce parcelle, et donc, lors de la revente sur le marché secondaire, on pourra bénéficier de la plus-value générée. Les membres de la communauté, on les appelle des City Holders. Les City Holders, c'est eux qui possèdent les cities, soit parce qu'ils les ont achetés lors de l'ICO, soit parce qu'ils ont décidé d'investir une fois le projet Versity lancé. Les City Holders sont ceux qui vont faire des propositions d'amélioration des services dans Versity, mais également ceux qui vont voter pour des services. L'influence des City Holders se fait par le nombre de tokens qu'ils ont à leur disposition. Plus un City Holders a de City en sa possession, plus son influence est grande. Notre DAO possède un système anti-dump qu'on appelle le collatéral. La collatérale, ça signifie bloquer un certain nombre de city et ou de parcelles. Les cities stakées, les cities bloquées, peuvent permettre d'augmenter le poids du vote si le city holders décide de les utiliser pour son vote. Une DAO contribue au mécanisme anti-dump. L'anti-dump, ça permet d'éviter une revente massive des tokens. Pourquoi la DAO est un système anti-dump? Parce que ça incite les city holders à conserver leurs NFT et leurs city et donc de les utiliser en collatéral pour faire des propositions et pour pouvoir voter. L'autre mécanisme de la DAO, c'est l'influence multiplier. Ça signifie de combiner des City et des NFT en collatéral pour augmenter le poids de son vote. J'espère avoir été clair sur cette notion de DAO. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Et à très bientôt!